salut, abonnez-vous, si vous n'êtes pas bon, et là. M'a dit tout le monde bonjour, bienvenue sur Chanel ça qui c'est Chanel mon affaire bon, non pas monsieur Jiménez. Mes amis, nous voyons que ça a fait l'actualité là, une fois de plus, réaction Nicolas Maduro qui c'est président Venezuela, nous voyons qu'il répond tout le monde ça a quitté, rejeté l'élection là, et entre autres président Jovenel Moïse, eh bien. Nous avons une réaction Nicolas Maduro côté qu'il fait qu'on est que j'en suivre notre texte là je vais voir la vidéo hein côté que Nicolas Maduro voit un message clair à Jovenel Moïse. Moi c'est que ça sont honte pour Jovenel, ça sont honte pour président Jovenel, pas pour peuple haïtien non, pour Jovenel Moïse. Ça que nous mêmes nous t'ai pensé hein, et bien c'est exactement c'est ça que président Maduro déclaré dans le texte là, en sous-texte là, mes amis, côté que les propos de président et Maduro, cet esclave pourra jamais nous enlever l'amour qui a dans notre cœur pour le peuple haïtien. Cette décision est celle de l'esclave, mais pas celle du peuple haïtien. Des impérialistes travaillent dans le but d'approuver ce grand peuple, que les Haïtiens prennent leur destin en main. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire que Nicolas Maduro, il faut comprendre que décision ça prend, décision que le président prend, sont décisions esclaves. Ok? Ces décisions qu'il prend, c'est une décision esclave. Décision, ça c'est prendre décision de peuple haïtien. Son décision impérialiste en parlant des États-Unis, malade ça ou cinglé ça, yo prend, y a essayé de mettre nous contre Venezuela pour nous craser relationnement avec Venezuela. C'est ça la piste, il faut comprendre. Il faut comprendre que, mes amis, il est temps pour nous prendre destin en main. L'amour qu'il gagne pour Haïti, son l'amour pas que j'en a fini, qui pas j'en a fini. D'ailleurs, il y a un texte, Nicolas Maduro il dit que Venezuela a toujours une dette immense devant le monde entier envers Haïti. Il faut qu'on ait que Venezuela a une dette qui pas j'en a fini envers Haïti. Par rapport à ça, nous avons fait pour lui. Donc, nous avons un système, je dis, nous avons un paquet ingrat. Un paquet ingrat qui, peu importe ce qu'on fait pour eux, ils ne sont pas capables de dire merci, ils ne sont pas capables de reconnaître ce qu'on fait pour eux. Par exemple, les États-Unis. Okay? Tout ça qu'on fait pour eux, ils ne pas capables de remercier. Eh bien, enfin, nous avons un peuple, nous avons un président qui reconnaît qui ça que nous-mêmes nous avons fait pour lui. Mais c'est, pense que nous devons être fiers de ça. Nous devons être fiers des ancêtres, nous devons être fiers des héros qui travaillent. Et bien, je dis là, et nous avons un colon, il y a un colon qui est président Jovenel, décision le prend. Son décision qui est très difficile, nous conscients. Son décision très difficile. Est-ce que décision ça a une sagesse? Je ne sais pas si tu penses à ça, mais l'essentiel, son décision que l'administration trompe-là. À mettre nos divisions, non seulement ils mettent division entre moi-même, l'effet que moi-même pour noir, me foncé, l'effet que moi-même mon clair, l'effet libérer fois comprendre qu'on supérieur à moi, l'effet que moi-même j'ai chance d'aller à l'école ou l'autre qui va avoir chance, l'effet de faire nous comprendre que nous parlons au même niveau. So, ils mettent ça en tête, mais ou même vous devez comprendre, il faut comprendre que moi-même c'est haïtien ou pas même j'ai africain si ou ça. Hey. 2019, là, je pense que l'île est pour nous comprendre toute la réalité, ça, pour nous chasser, ça, pour nous comprendre que nous sommes seuls. Ensemble, nous sommes forts. Puis, politique, dans la politique, là, monsieur Haïti, monsieur qui est en pouvoir là actuellement, bah, il y a une chance, monsieur. Bah, il y a une chance. Redépensez à tête, non. Parce que si vous êtes dans la corruption, peu importe ce que vous faites, si vous faites un bail qui est mal, il y a pas pareil. Ça c'est pour messieurs corps pétro-caribéen, messieurs dames ça qui volent corps pétro-caribéen. Et d'ailleurs t'as l'air souvent reportage côté Don Cato, ou capable remettre ou bien pas remettre. Mais Don Cato faut comprendre que
ouais complot ça fait là dans les affaires l'argent plutôt au Caraïbes ça. Et d'ailleurs, supposé ça les mollos quand tout ça, il était dit que OK. L'argent Petro-Caribe ça nous ouais qu'a fait en Haïti là, n'a réclamation, n'a réclamé justice, n'a réclamé des vols, et bien il pas juste fait à l'échelle locale, et bien international là compris en pile là-dedans. Parce qu'il pas oublier que les États-Unis gon haine contre Venezuela, tout ça que sont dit qu'à Venezuela, tout autant qu'à détruire, tout autant qu'à craser pour le faire paraître mal la faire. OK, ça veut dire l'argent ça son enquête qui a mené là sous l'argent Petro Caribe, son enquête qui est beaucoup plus grand qu'à l'échelle locale. Rappelez-nous ça, OK? Pour aujourd'hui on a prophétisé, rappelez-nous très bien. Donc j'en dis déjà dit moi et Nicolas Maduro voulons un texte sanglant à l'égard des administrations Jovenel Moïse là, à l'égard de Moïse Séan qui fait mal, qui fait très mal à l'administration ça. Nous qui même administration, il y a un paquet de bagages qui déjà qui pas normal. Mais à ça, texte ça qui sorti là, son texte, je pense que Jovenel Moïse le président Jovenel Moïse quand même c'est mon président, je pense que ou t'a doué chita garder poser question et garder bien décision prendre, est-ce que c'était bonne décision ou pas vraiment, parce que franchement décision ça pas de représenter peuple haïtien. Donc j'en ai déjà dit le président Venezuela répond Jovenel Moïse côté qu'il fait qu'on est que cet esclave, en parlant de Jovenel Moïse, cet esclave ne pourra pas nous enlever l'amour. Esclave ça, ou même décision prend son décision malade, son décision chaîne dans pied, son décision reste avec. Et ça, oui. Décision Jovenel prend, décision administration Jovenel prend, son décision petit sous-sous, petit grand goût, ok? Que son décision esclave, côté que ou même. L'amour que Haïti gagne avec Venezuela, pas besoin de terminer, pas besoin de suspendre. Ok? Je pense que son beau texte lié et on a dit bravo, bravo pour ça. Et nous connaissons aussi le président Venezuela, il a à peu près 48 heures pour pays ça qui a voté contre lui, excusez-le. Parce que vraiment, je pense que il va faire sens. Pays ça a voté contre Venezuela, entre autres Haïti. Donc, en pile sanction, prêt à bail, en pile sanction, comment c'est bail, côté que nous, et présentement là, ambassadeur au Venezuela, et président dit la femelle, grand pile haïtien qui est au Venezuela, qui a souffert de ça, des décisions ça. Donc, okay, ouais, si vous savez que Mdoul, parfois, la grande décision leur prendre, il n'est pas concerné de son monde. L'histoire, il n'est pas concerné un seul monde. Il n'est pas concerné juste un petit parti. Décision ça que le président Jovenel peut prendre, il n'est pas concerné juste, il n'est pas concerné un peu parisien. Il était concerné uniquement Jovenel Moïse et Tigalmia. Ok? J'en ai déjà dit non. Nicolas Maduro. Voyons un message clair, sanglant, par Jovenel Moïse. Donc, c'est ça, guys, c'est ça. Développez partager avec nous là, bien que je ne vais pas mettre longtemps. Toutes les réseaux sociaux, c'est de ça. Nous voyons que Nicolas Maduro, par Jovenel Moïse, on gifle. Nicolas Maduro, par Jovenel Moïse, on calotte, marassa. Et pour décision, ça qu'il prend. Son décision, terrible. Donc, guys, c'est ça que je vais pour nous là. Je vais partager là avec nous. Ça, c'est deuxième vidéo. Ça, c'est deuxième officiellement vidéo sur la situation Venezuela à Haïti. Donc, tout ça, ouais, je vais regarder là. C'est le message que je joins. C'est le message que vous voyez pour moi. Côté que, en plus, mon appétit qui n'est pas content, n'est pas satisfait des décisions du gouvernement. Donc, je salue nous, guys. Je salue nous. Yes! Et Jean qui m'a déjà dit non, nous avons 34
qui attend cet esclave ne pourra jamais nous enlever l'amour qui est dans notre cœur pour le peuple haïtien. Cet esclave ne pourra jamais nous enlever l'amour qui est dans notre cœur pour le peuple haïtien. Cet esclave ne pourra jamais nous enlever l'amour qui a dans notre cœur pour le peuple haïtien. Cette décision est celle de l'esclave. OK? Mais pas celle du peuple haïtien. Le président Haïti, attendez, oui, le président Haïti, ah mes amis, est le serviteur des impérialismes. Travaille dans le but d'appauvrir ces grands peuples. Que les Haïtiens prennent le destin en main. Ça veut dire que vous comprenez, Nicolas Maduro, il faut comprendre que décision ça que le président prend sont. Il y a un bagage que m'a dit qui est très important et il est important pour l'administration ça, que ce soit président, premier ministre, sénateur, député, ainsi de suite, mais c'est pas quitter les Américains à faire nous faire tintin. Nous avons destin, nous avons un petit problème là, mais quand il s'agit d'une relation entre Venezuela et Haïti, parce que relation Venezuela et Haïti, c'est pas une relation comme ça, non? C'est une relation de maman à petite, de frère à frère. Relation diplomatique entre Haïti et États-Unis, ou est-ce qu'on dit son relation côté que États-Unis, grande puissance, a profité de nous, a pas abusé de nous. Ok? On me fait sauver, y a pas même parler comme si il n'y a pas pris qu'une décision égale à vous. Il y a toujours les tout plaisir. Tandis que relation Haïti-Venezuela sont relations de frères à frères. So, si nous ne comprenons pas ça, c'est grave. Pas quitter États-Unis à faire nous faire tintin. Il y a une plus grosse erreur. Administration C1 Jovenel fait pour 2019, là, ces décisions, ça va prendre compte. Nicolas Maduro contre Venezuela. Guys, je vous salue. Excusez. Il n'y a plus de erreur. Administration Jovenel Moïse, c'est un plan pour 2019. Il n'y a plus de faux pas. Eh bien, c'est ça qui est facile à dire là. Côté que nous voyons que Jovenel Moïse, puis c'est un, Henri Céan, voté contre Venezuela. Nous voyons que des sanctions. Qui ça va plus nous pas connaître. Mais l'essentiel, sanctions sérieuses. Mes amis, attention, nous avons une décision ça prend là. Attention, l'argent comme Petro-Caribé, ça va, ça va le tirer lui. Attention, comme Petro-Caribé, ça va éclater encore plus. Décision Jovenel Moïse prend contre Nicolas Maduro, contre Venezuela. Faut que nous ne pas oublier l'argent Petro-Caribé. Côté le sorti. Côté le sorti. Eh bien, guys. Sorti réflexion d'affaires avec nous, m'a dit nous tout le monde.